Hey, ici Etienne 907 pour Let's Play QC, on est de retour sur Somnotica. Allons rechercher des trucs de métal parce que je voulais construire le constructeur. Et voir ce que je peux faire avec ça. Si j'ai bien vu. C'est quoi ça? C'est du métal. Non, c'est un truc qui spawn des méchants. Fuck! Fuck you man, c'est pas trop rapide ces affaires-là. Faut vraiment être un status rifle. What? Juste pas sûr. Prenons pas de chance. Alors il me faut... Oh boy. What the fuck was that like? J'aurais besoin d'un autre truc de métal, hein. Construire cette affaire que je veux faire. Je suis quand même haut à la surface, c'est fou. Et... Yes, sir. Allons construire cette affaire. Top! Ah, enfin, j'ai pogné de sable. Je voulais le pogner lui. Allons pogner un boomerang. Boomerang! Je peux-tu le lancer? Non, je peux juste le relancher. Fuck! Ok, accélérons un peu les choses. J'ai pas de sel, malheureusement. J'ai plus de sel pour me faire de la bouffe. Hein. Je trouve que sérieusement il faudrait qu'ils tweak un peu la vitesse de descente de la nourriture parce que sérieusement c'est vraiment trop rapide. J'ai même pas le temps de rien faire. I'm the ladder. Et. Nice. Holy shit! God, ça prend au moins du stock! De l'or! Onotonium! 10 métal! Ok, donc 2 métal, 3 verres. Attends, Seamoth. Faut un Seamoth Fragment. J'ai-tu déjà pogné un Seamoth Fragment? Holy shit! Skateboard! Skateboard! Pourquoi t'as pris cette affaire là? Fallait pas que tu le prennes. 5. Tiens. Tab. 5. Oup. Open storage. Bon. Donc. Non, c'est pas ça que je vais utiliser. C'est si j'ai du Seamoth. Est-ce que j'ai du Seamoth? Est-ce que j'ai le Seamoth? Oui, j'ai le Seamoth Fragment. Ok, good. Donc je peux le construire. Ce qu'il me faut, c'est le reste. Du verre. Ok, laissons le. Tout le stock ici. J'ai du cuivre pour le truc que j'ai du sandlot. C'est plein, bordel, fait chier. Ok. On va voir. Donc, j'ai besoin de métal. Attends, on va retourner à côté du constructeur. Qu'est-ce que... Non, je voulais pas le prendre. Okay. Oups. Reste droit, s'il te plaît. Reste droit. Ok, use. Donc, 3 métal. Fine. Une batterie. Ok, cool. Ça va être facile. J'ai du cuivre. C'est good. Va falloir du sable pour faire du verre. J'en ai probablement déjà 3, je vais aller chercher mes 3 de métal puis je devrais être correct après pour faire un ciment. Alors encore 3 métal à trouver, tristement pour moi. Et chou! Oh ben oui, il fallait que tu sois à l'intérieur de la jungle. T'es à l'intérieur de la bulle. Hein. Oh non, t'es à l'extérieur, good. Hey le gros! Hey le gros! What the f? That's a glitch. De toute façon, c'est du métal que je veux, je sais pas pourquoi je faisais ça. Ah, faudrait que je trouve une façon de péter ces maudites patentes de spawn de mobs. C'est gossant, ça. C'est vraiment gossant, sérieusement.
Surtout qu'ils sont vraiment plus rapides que l'affaire que j'ai construit. Ce que je ne comprends pas. What's that? A constructor fragment, je l'ai déjà. Good. Hey, salut les derp fish. Vous êtes de bons fish, hein? Ouais, ok, cool. 25%. Zinc, good, j'en ai besoin pour faire une batterie. Warning, ah, shit, je suis pas cool. C'est pas vrai. Non, je suis correct, je suis bien correct. C'est good. J'ai respiré. Oh, regarde, ça me fait chier, j'ai soif puis j'ai faim déjà. Fuck. In hell. Ok, j'ai 3 métal, good. On va chercher ça. Et voilà. On va pouvoir se construire un Seamoth. Seamoth. Dehydration detected. Fuck you. You cannot tell me what to do. Seulement si je ne bois pas puis je ne mange pas, je vais crever dans pas long. Fuck. In hell. Vraiment chiant. Le truc de manger et boire dans ce jeu. Fait quasiment que je me mette en mode juste free mode, puisque j'ai pas de nourriture et d'eau à chercher, je crois. Ok, man, je pensais que mon constructeur avait disparu. Il n'y a pas d'un peu. Seek nourriture containment immediately. Yes, master. Vers un nom de sable. Ok. Attends. Faut du quartz. Du quartz pour faire du verre. Ah ouais. En tout cas, c'est pas Minecraft ça. Quartz. Ok. Alors, faites-moi un autre verre, s'il vous plaît. J'ai besoin de charbon pour faire du zinc. Pour faire une batterie. Est-ce que j'ai du charbon? Non, ce qui veut dire qu'il va falloir que j'aille chercher. Ah non, j'en ai ici. J'en ai juste ici. Good. Batterie. Mon cuivre. Storage. Émeri. Non, magnésium. Probablement crever de faim à cause de cette affaire-là. Crème dessus, s'il vous plaît. Wow, j'ai dit crème dessus, pas faire le fer chavirer. Non, ça c'est l'absurde. Ah, j'ai oublié de mon Seamoth Fragment. Alors, chercher ça. Merde, il est où ma. Ah, oh, regarde, je vais crever de faim à part. Ok. Toi, tu as le Seamoth Fragment, right? Yep, good. Et escape. Escape pod. Ouais, voir. T'es là. Good. J'espère que je puisse looter du stock avec ça. Sinon, ça va m'être inutile d'avoir cette affaire-là. Bon, voyons. Jump dessus, c'est vraiment awkward de réussir à monter cette affaire-là. Seamoth. Oh, what? Il y a un petit problème avec votre vaisseau, mes chers amis, parce que je ne vois absolument rien dans cette affaire-là. Ok. Ok, c'est un peu décevant. Mais c'est normal, c'est un jeu en early access, donc faut s'attendre à avoir des bugs de même. On va boire l'océan, j'aurais plus soif. Je vais devenir plus barco. Je vais probablement crever. On va voir ce que ça fait. Je vais me laisser crever, je pense. Parce que sérieusement, c'est vraiment rough réussir à. Et je suis mort. Ok, ça me fait juste réapparaître dans cette affaire-là.
Bon, ok. Là, je peux comprendre. Pourquoi toi, t'as l'air aussi derpish que ça? Ouais, mort. Est-ce que je peux? Ah ah! C'est un peu mieux, on voit pas mal mieux. Est-ce que je peux prendre du stock avec ce vaisseau-là? Non, tout ce que je peux faire, c'est me promener. Intéressant. J'ai besoin d'oxygène? Ok, non, donc j'ai de l'oxygène à l'infini dans cette affaire-là. Est-ce que ça se contrôle plus rapidement? Ça serait encore à poser comme question. Est-ce que je peux m'approcher du vaisseau avec ça, par contre? C'est ça la question que je veux savoir. Alors, allons en cette direction. Est-ce que je vois ça a de l'air? Non! Ok. Wow! Fucking hell! Petite fausse manœuvre et tu manges plein de dégâts. C'est quoi ça? C'était quoi ça? Il y a un truc rouge qui apparaissait là-bas. En tout cas. Retournons en surface. Je suis curieux de voir l'observatory aussi, à quoi qu'il sert. On va voir. Observatory. Deux métal et trois verres. Ok, good. Ce que je pourrais faire, c'est utiliser le truc pour pouvoir descendre et avoir de l'oxygène encore. Mais je suis comme un peu paresseux, je sais pas pourquoi. j'ai besoin de trop de métal aussi, si je me souviens bien. Ouais, d'ailleurs, je pense que je vais aller rechercher mon vaisseau que j'ai construit, tant qu'à l'avoir construit. Ok, ouais, c'est définitivement légèrement plus rapide. Et allons. Fuck. Intéressant, le vaisseau se répare tout seul au moins. Il y a ça. Parce que sérieusement, ça aurait été vraiment chiant. Ok, là, je veux pas aller vers le vaisseau en cram. Donc, ouais, allons par là-bas. Bon, j'ai besoin de métal. Je veux voir à qu'est-ce que ressemble l'observatory. Hey, bonjour vous autres. On a écrit un chèque tout seul, ce qui est étrange. Ouh. You, dégueulasse. Ces bébêtes-là chient lorsqu'ils voient quelque chose, ce que je vois. Ils ont des farts. Ils ont des... What the fuck is that? Oh my god. Il y a quelque chose là-dedans d'après moi, hein. Je sais pas, j'ai pas vraiment le goût d'essayer, alors. On ira pas tout de suite là-bas, je vais construire plein de stocks avant de commencer à explorer. Hey, du métal! Exit. Et retourne dans... Oh god, j'ai des frissons. My god, l'écran est vraiment bizarre. Qu'est-ce que si je fais... Oh, il y en a un autre juste là. Ok, donc... Où es-tu, Seamoth? Seamoth? Seamoth. Ok, il faut vraiment pas que j'aille rien dans les mains, ou sinon ça fait bugger légèrement le... l'écran. Good. C'est bon à savoir. Donc, rien dans les mains lorsque je dois rentrer, si je comprends bien. Ouais. C'est good. Ok, retournons vers le vaisseau. Construisons l'observatory. Où est-ce que je t'ai mis, Pod? Juste là-bas. Ok, good. Allons chercher ça. Allons construire mon observatory. J'entends un craquement dans mes écouteurs. En tout cas,
chiant, c'est à chaque nuit que je passe, il y a plus de mobs qui sortent. Ok, voyons voir. Allons voir c'est quoi un observatory. Attends un petit peu, faut que j'aille crafter le stock avant. J'imagine que l'autre en dessous, ça doit être genre un méga vaisseau où est-ce que je peux avoir justement le pad de même qui va me suivre. Ok, donc j'ai besoin de verre. Encore de verre. Non, j'avais juste besoin de verre. Est-ce que j'ai d'autres... Ok, j'en ai trois, c'est good. Donc j'ai juste assez pour construire l'observatoire. L'observatoire. On va voir si je peux l'utiliser de l'extérieur. Au lieu de devoir monter dessus. Il semble que non. Alors, on va devoir monter. What the fuck was that? S'il te plaît, reste proche. Ok. Alors, construis-moi l'observatoire, s'il te plaît. Caution, blood nutrient levels decreasing. Calorie intake recommended. Ce que t'es en train de me dire, c'est... Oh, wow, ah oh, ouais. Ok, cool. Quand même. Le problème, c'est que comme ça descend de même... Est-ce que j'aurais pu faire cet observatoire-là à l'intérieur, genre de proche d'un trou, où est-ce que je pourrais descendre avec cette chose? Sauf que le problème, c'est que je serais plus capable de remonter après à l'extérieur. Ok, c'est marrant. Est-ce que je peux mettre du storage à l'intérieur de ça? Là est la question. On va voir. Ça. Alors, j'ai du storage pour apprendre. Je me soucierai plus vraiment de la fin. En ce moment, je vais juste observer parce que, sérieusement, le fait que ça descende aussi rapidement que ça, ça me fait légèrement suer. Inventor full. C'est comme un peu trop rapide comme. Descente de nourriture et de soif. J'ai encore un constructeur fragment. Là, j'ai du métal sur moi, rangeons ça, j'en ai pas besoin. On va voir si je peux faire de cette chose un truc de storage. Est-ce que je peux ranger du stock? Ah, mon air se récupère ici lentement, pas vite par contre. On va voir. 5, 4. 4. Non. Ok, j'ai une bugger le jeu, j'ai une bugger l'affaire, j'ai tout le stock qu'il y avait dedans, je ne suis plus capable de le prendre. Fuck. Est-ce que je peux pousser le fer avec mon C-Moth? Peut-être que ça va débugger les choses. C-Moth, 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 t'es là. Et t'es ici. Ok. Attends, j'avais le C-Moth dans mes mains. Ok. Emergency. Starvation imminent. Ouais, ouais, ouais. Starvation. Bla bla bla. Oh, oui, ça marche. Ok, on va voir. Est-ce que je suis capable de reprendre la boîte? Pas de l'air. Mais j'ai peur de le pousser à moins. Oh my god. Mon observatoire est bougeable. Je vais pouvoir observer les trous. Non, si je retrouve le trou avec la foire, je vais descendre assez fort là. C'est pas le problème, c'est que j'aurai plus mon vaisseau pour monter à la surface. Donc j'ai genre une poche d'air à moi, portative. Le seul problème, c'est la boîte qu'il y a à l'intérieur. What?
Ah, ça, inventory full. Tout à l'heure, j'étais capable de le prendre. Ok, je viens d'être capable d'ouvrir le truc, mais moi, c'est le prendre que je veux. What? Je suis capable de prendre les poissons. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Je vais crever de faim encore, anyway. Ok, c'est good. Wait, wait. Ok, continue par là. Oh my god. C'est un nouveau, c'est mon nouveau vaisseau. Un petit peu, je devrais peut-être pas m'en aller de mon vrai vaisseau actuellement. L'observatoire, je m'en sacre. J'ai perdu l'affaire. Ok, tout, j'en ai besoin par contre. Et je meurs de faim. Ok, donc j'ai pas besoin de sortir du vaisseau, je peux utiliser le 1 pour enlever le truc que j'ai posé dans mes mains. Internal ground failure. Je suis même pas capable d'ouvrir mon affaire. Putain, il bouffe l'overfish là. Tu crèveras de soif après. Profondeur, 60-80, nice. On essaie de descendre plus bas. Ah ouais, je vois qu'il crève de faim, je le sais. Oh my god. What a hole! C'est tout un trou, ça? Oh god, il fait noir. Je vais probablement crever ici. D'ailleurs, je devrais peut-être remonter à la surface, me laisser mourir. Et on va explorer ça dans le prochain épisode. Il fait vraiment noir, c'est fou. Ça coule et je tombe, et je suis vraiment pas fond. What the fuck is that? Ok. Restez là, je vais juste retourner à ma base, qui est par là-bas. Oh god, j'ai du fou sur moi. Alors, je suis en train de crever de faim encore. Bon, elle de merde. Bon, ben. Prochain épisode, je vais aller explorer dans le fond et je crois que je vais mettre fin à cette série. On verra. Je vais attendre d'autres mises à jour. Donc, c'était ETA-907 pour l'SPQC et. Adieu, monde cruel. Est-ce que je vois jusqu'à ce que je creve? Au revoir!